reborn. Wow. Bonjour frère et soeur, que la paix soit avec vous. Ouais. Ha. Voici ce qui se passe quand Dieu est avec vous, quand Dieu vous protège. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est vraiment extraordinaire. C'était tiré d'un film, mais ça nous permet de voir quelque chose quand même. C'est étonnant. Venez, 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 venez. Suivez-moi dans le studio. Nous allons voir des choses hors du commun, c'est les frères et soeurs. Regardez ça! Un truc hors du commun va se passer ici. Sur Nyons Reborn. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Regardez très bien. Là, on voit un homme apeuré. Et il est ici. Le monsieur a peur parce qu'il se dit que c'est peut-être aujourd'hui son dernier jour. À cause de qui? Son ennemi. Son ennemi. Très puissant. Parce qu'il est armé. Il a ce qu'il faut. Pour éliminer un homme. Pour supprimer un individu. En une seule seconde. Et le gars a peur. Mais on a l'impression que son ennemi ici n'est pas tellement serein. Mais que se passe-t-il? Est-ce que vous allez voir? Regardez très bien. C'est pas vrai. Je n'ai pas bien vu. Regardez encore. Vous avez vu ça? Quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a tellement étonné. Je me suis dit, mais waouh, c'est étonnant, c'est extraordinaire. Comment c'est possible? Ça, c'est que j'ai une protection, ça. Ça, c'est pas une bague magique. Ha! C'est bien évidemment tiré d'un film. Comme vous pouvez le voir, c'est tiré d'un film. Et quand les gens ont vu ça, les gens ont dit, ah, quand Dieu te protège, ouais, quand Dieu est avec vous. Pensez-vous que Dieu, le grand Dieu, le tout-puissant, le babaché, le opa, est-ce que vous pensez que lui, il peut protéger un homme comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ha! Comme vous venez de le voir dans la vidéo, cette chose ne se passe pas en esprit, ça se passe dans la réalité. Dans la réalité. Parce que dans vos rêves, on peut vous poursuivre, quelqu'un peut vous poursuivre. À un moment donné, la personne peut vous attraper. Et vous pouvez voir que la personne dit sur vous plusieurs fois, mais ça n'entre pas. À ce moment, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais what? J'ai peur de ton âme, mais on dirait que c'est ton âme qui a peur de moi. Ou bien c'est Dieu qui me protège. Divine protection. Protection divine. Ouais. Est-ce que Dieu peut protéger comme ça? Et bien sûr que oui. Ça, ce n'est même rien. Dieu peut protéger un homme comme ça. Je me souviens d'un témoignage que nous avons reçu ici, sur Sorbonne, où on a entendu un serviteur de Dieu. Lui, un dimanche, en plein culte,
des gens armés sont venus le prendre pour partir. Qui les a envoyés, on ne sait pas. Parce que lui, il parle de Jésus, il prêche, il parle de Dieu, il dit la vérité. Les gens ont vu les chiens partir. Et arrivé là-bas, là où il envoyait là, arrivé là-bas, il leur dit, mon ami, mets-toi à genoux. Parce qu'aujourd'hui là, c'est ton dernier jour. Et puis tu peux en profiter pour faire ta dernière prière. Donc fais ta dernière prière en même temps. Le gars dit, hein? Sérieux? Donc aujourd'hui, là, tout de suite, là, je vais mourir. Seigneur, faut se sentir pour. Seigneur, pardon. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier en même temps. Il a commencé à prier ou il a commencé à prier. Il a même pas encore fini de prier. Le bandit a pris sa calage parce que c'était une Kalachnikov. Il a fait dès qu'il ne peut pas attirer, pow! Il tire, ça fait crac, crac, ça bloque. Rien ne sort. Il dit, ça c'est quoi? Crac, crac, il dit, ça sort, rien ne sort. Ah! Il n'y a pas de balle qui sort, rien ne sort. Il s'est dit que peut-être c'est son âme qui ne marche pas. Il prend l'âme de l'un de ses camarades avec lui. Il dit, ça n'entre pas. Il dit, ce gars, ça n'entre pas. Et mais ils sont sous le choc. Ils sont étonnés. Ils sont surpris. Ils disent, hein? Tiens, ça c'est même quoi? Monsieur, est-ce que vous avez un médicament? Est-ce que vous avez une protection? Dites-moi le nom de votre marabout. C'est la question que je vais lui poser. Dites-moi le nom de votre marabout. Ah! Le monsieur dit, mon marabout, c'est Jésus. Ils disent, hein? C'est que nous tous sommes des chrétiens. C'est que nous tous sommes des chrétiens. Celui-là même qui était venu pour pour se faire abattre, là. C'est le même qui a été captivé pour se faire abattre. C'est lui maintenant qui a battu le diable. Qui se trouvait derrière ces bandits. Et ces bandits-là ont donné leur vie à Jésus. Hein? Seigneur, vraiment, c'est extraordinaire. J'ai entendu ce témoignage il y a quelques années. Je ne fais que vous raconter ça encore. Ça veut dire que Dieu protège. Quand les ennemis viennent vous attaquer dans votre sommeil et qu'ils soient armés, au nom de Jésus-Christ, vous allez les vaincre. Que ce soit ce que vous utilisez contre vous, vous allez les vaincre. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas être dans le péché. Surtout le péché du sexe. Le péché où, du genre, un homme, il n'est pas marié avec une fille. Et ils ont des rapports sexuels ensemble. Ça là, ça annule vraiment la protection de Dieu sur vous. Ça permet au diable de pouvoir avoir facilement accès à vous. Quand vous cherchez la femme d'autrui, dangereux. Genre pour vous dire que la porte d'entrée c'est le péché. Mais la plus grande porte que l'on puisse ouvrir là, c'est la porte qui te... cette affaire de femme là, Goïga. Goïga, qui te dans ça. Dans ça, parce que ça ouvre beaucoup de portes aux démons, beaucoup de portes aux mauvais problèmes dans votre vie. J'ai un problème mauvais, tu as un problème n'est pas bon, hein? T'es pas mon affaire. À mettre c'est mon du mauvais problème, c'est que c'est pire. Et oui, quittez dans ça. Si vous respectez tout et que vous ne couchez pas avec les filles en désordre, vraiment, vous allez avoir ça. Même à certaines personnes pour se protéger contre. Des balles, ces gens-là vont voir les marabouts, les disent carrément, écoutez, ne couchez pas avec une fille. Pendant que vous êtes en guerre, là, ne couchez pas avec une fille. Parce que si vous couchez avec une fille, avec une femme, vous êtes dans un problème parce que le totem de ça, là, de ce médicament anti-balles qu'on veut faire, là, son problème, c'est femme. Ne couchez pas avec femme. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont des gens de porte. Hein. Quand vous les ouvrez, hein, même sortir si vous ça peut entrer. Mais si ces portes sont fermées et que vous avez la crainte de Dieu, il faut prier. Sortir si vous ça peut entrer. C'est quoi, c'est. Si c'est votre temps qui est venu, vous allez partir. Si ce n'est pas votre temps, vous allez être là.
qui dit tu haut, qui dit tu pauvre. Vous êtes là. Comme le mec qui est là, regarde le cas qui est là encore. Regardez ça encore. Vous-même, vous allez témoigner. C'est parti. Extraordinaire, merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment vraiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez quoi que ce soit. C'est parti.